Louvre Expo est un projet qui est issu d'une réflexion plus globale menée par la ville de la Louvière sur le réaménagement et la redynamisation de tout le centre-ville et principalement de l'entrée de ville. Alors, il faut se rappeler que l'ancien bâtiment, l'ancien hall, avait une image à connotation industrielle dans un environnement industriel dégradé. Et donc, il fallait changer cette image pour rendre l'entrée de ville plus attractive. Grâce au fonds structurel européen, Wallon et à la part communale, c'est plus de 9 millions qui ont été réservés au réaménagement de ce pôle économique. Alors pôle économique parce qu'il se situe sur un site à vocation économique, c'est-à-dire qu'il se partage cette vocation avec la maison de l'entreprise et l'IFAPME qui se trouve le long d'un futur contournement qui sera en phase de finalisation prochainement. Nous avons obtenu un hall où on peut organiser des activités, mais complètement diversifiées. Nous avons ici, depuis l'ouverture en 2012, pu réaliser des concerts. Yannick Noah est venu ici se produire. Nous avons organisé des activités, des événements sportifs. Les Harlem Globetrotters du tennis a eu lieu ici aussi, des foires, des salons, le salon d'automne, le show auto, des brocantes. Et alors le dernier événement, évidemment, je ne peux pas le passer sous silence, c'est le colloque européen pour la croissance, Mission for Growth. Alors quoi de plus normal que d'accueillir ici, d'accueillir l'Europe à Louvre Expo, puisque Louvre Expo est quand même née d'un subside européen.